Bonjour à tous et à tous, ici le Dixies. Aujourd'hui on se retrouve juste avant la sortie d'iOS 7 pour la présentation de la nouvelle interface de iCloud sur le net. Donc j'ai rempli l'intuition et on se retrouve juste après. Donc nous revoilà sur cette magnifique interface signée Jonathan Ive et qui s'inspire à 100% de l'iOS 7. Donc je trouve ça très très joli, l'icône mail interface, contact, calendrier, notes, rappel et l'occasion localisée, et en bêta, page, numbers et keynote. On va voir le calendrier, comment je présente, tout simplement. C'est très sobre, mais très joli. Regardez ça. Moi j'adore, je suis fan de cette interface, je trouve ça très très joli. On va voir le mail. Donc l'icône mail qui est très 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 jolie. Voilà. Donc après on a page. J'adore la fonctionnalité de page de nouvelle. C'est que grâce à notre compte iCloud, nous allons pouvoir créer des documents page sur n'importe quel ordinateur, que ce soit sur Windows, Mac. On pourra créer un document. Hop, on va créer un document. On va prendre ça. On fait choisir. Et là maintenant, on va pouvoir l'éditer comme on veut. Et ça, c'est vraiment très 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 sympa. Ça, c'est quand même super bien. Surtout que si on crée un document, on le retrouve automatiquement sur notre petit iPhone. Donc là, et là, on peut tout changer. Là, regardez, et là, hop, on marque l'utilise, ça marche. Donc, voilà, ça c'est quand même très très sympa. Donc après, il y a Numbers et Keynote, je vais pas regarder si ça marche, on va regarder ensemble si ça marche. Donc on fait le premier point avec Keynote. Actuellement, donc il n'y a que en anglais, malheureusement. Il faut dire que c'est encore en bêta, ils ont bien le signal bien sur le coin, vous voyez. Regardez, là c'est bien marqué que c'est en bêta. Donc là, ça va créer une nouvelle présentation Keynote. Je vais dégrader comme Apple. Et là, on va pouvoir créer une Keynote sans avoir le logiciel, et ça c'est une très 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 bonne idée de la part d'Apple. Voilà, merci Apple pour ça. Donc c'est tout pour le moment sur l'interface de iCloud sur le net. On se retrouve très vite pour comment installer iOS 7. À bientôt.